Yo tout le monde les gars, c'est Corsico, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre les gars. Récompense Division Rivals Elite, alors il y aura les miennes plus celles d'Aigle Royal. En même temps j'ai gardé quelques petits packs les gars. Donc on a vraiment des beaux petits packs intéressants. Alors forcément vous le savez, j'aurais préféré l'ouvrir en live. Mais les gars, faut comprendre que je préfère pas live tant que le problème n'est toujours pas réglé. J'ai pas envie de faire n'importe quoi les gars, j'ai pas envie de lancer des lives qui vont couper. Mais voilà les mecs, il y aura quand même normalement un live samedi matin les gars, en ouvrant le choix icône Prime ou Middle les gars, on ouvrira tout ça samedi matin. Je compte sur vous pour être présent à l'équipe. Merci en tout cas à ceux qui seront là, merci encore une fois à ceux qui soutiennent. Et puis voilà, on va les ouvrir tout ça les mecs. Le like, l'abonnement, merci à tous. S'il y en a qui veulent des jeux, cartes PSN, cartes Xbox moins chères, allez sur le lien en description. Avec Insta Gaming les gars, vous avez n'importe quel jeu moins cher les gars, c'est le site numéro 1 français pour tous les jeux, cartes PSN moins chères les gars. Allez voir, c'est de la régalade. Allez les gars, c'est parti, récompense Rivals. Moi les gars, du coup personnellement j'ai mis ma cam comme ça. Donc voilà, moi hier je suis monté en 10 élites. Malheureusement j'ai pas eu le temps de faire les 8 victoires, j'ai que fait 5 victoires je crois. Donc on va aller voir ce qu'ils nous proposent les mecs. Donc là on a quoi, joueur hors prime, pack méga. Ce qui est bien c'est le choix joueur en fait. Deux joueurs hors prime, deux packs méga non échangeables. Ah les gars, moi franchement les mecs, moi je veux des packs frérot. Je veux des packs parce que qui dit pack dit d'autres packs derrière, parce qu'on pourra faire du coup des choix joueurs. Donc ça va être incroyable, j'ai des packs à 125k qui nous attendent derrière. Le choix joueur il est claqué au sol, alors on peut pas faire pire. Voilà les gars, on se retrouve pour les packs. Donc là vous voyez, pack à 15k, pack à 125k, le pack joueur PL Prime qui est hyper intéressant, deux packs à 45k et deux packs méga les gars. Donc on va commencer avec les invendables les gars. L'objectif c'est de pack du fut burzé sur mon compte, et l'objectif ultime c'est de packer CR7, ok. Donc là je le dis les gars, c'est de packer CR7. Après comme dit, on a encore les packs d'Aigle Royal plus des choix joueurs que je ferai en fin de vidéo. Donc ça va être intéressant, n'hésitez pas vous de me dire les gars quel joueur vous avez eu dans vos récompenses Rivals, ça m'intéresse de fou les gars. En espérant que vous avez chaté aussi de votre côté les mecs. Donc voilà, c'est toujours intéressant les mecs hein. Mais là il y a une très belle team Futbursa avec du CR7, et la semaine prochaine les gars avec du Messi, tout ça, ça va être une très belle team aussi hein. D'ailleurs je vous invite les gars à voir ma dernière vidéo hein, avec le futur peut-être Messi flashback qui sortira les gars. À voir, n'hésitez pas d'aller voir en tout cas la vidéo les gars, pour ceux qui n'ont pas vu. Donc là on continue d'ouvrir les packs, toujours rien. Non, attends qu'on a rien les gars, on skip, mais on attend notre première animation Icardi. D'ailleurs force aux Parisiens pour hier les gars. C'est pas facile, c'est pas facile pour vous les gars. Franchement Ligue des Champions c'est incroyable. Limite ils devraient pas se qualifier en LDC, jouer l'Europa et je la joue à fond et au moins gagner une coupe européenne, parce que là c'est chaud tu vois. Après c'est mon avis, c'est mon avis, mais grosse force en tout cas à tous les Parisiens. Et GG les gars, Madrid, on peut que dire GG. Franchement c'est une erreur de Paris qui relance tout le Real. Et Benzema, mais lui c'est El Maestro, il est trop fort. Ce mec c'est un dieu, les gars, je suis désolé de te dire. Mais tu vois que les gros joueurs se démarquent dans les gros matchs. Et là on a encore vu les gars, c'est incroyable. Bon bah pour l'instant on a rien eu, il reste le pack ultime et le pack PL Prime. On va commencer avec le pack PL Prime. Si y a Futbursé, je vois portugais, c'est bon. Il n'y a pas Futbursé, il n'y a pas besoin de voir portugais. Alors fait chier, putain c'est Ziyech. C'est Ziyech, mais les gars il y a Anderson, l'ancien lyonnais, ça fait plaisir. Après ça me sert à rien, les motems ça partira dans un SBC comme tout le monde. Et les gars, on finit sur mon compte avec le pack ultime. Mais en tout cas sur mon compte les récompenses ne sont vraiment pas folles les gars pour l'instant. Et même pas une seule animation. Avec tous les packs que j'ai eu les gars, même pas une seule animation. On finit Cavani, je suis assez dégoûté. Mais là les gars, ce que je vais faire c'est des choix joueurs du coup. Et les gars, de retour sur mon compte, du coup j'ai pu faire 9 choix joueurs 80+, on va voir si on peut avoir du lourd dedans. En tout cas j'en ai déjà fait une bonne trentaine. Je voulais les sortir en vidéo mais comme j'avais rien eu de fou. Alors là j'ai eu un Courtois 89 du coup et 2,87. Enfin voilà, c'était vraiment médiocre. Je me suis dit ça servait à rien. Ça servait à rien que je le sorte en vidéo. Là pour l'instant ça va, on a un Verratti. De toute façon les gars, toutes les grosses notes ça partira dans le choix icône. Donc c'est pour ça que j'espère vraiment des grosses notes. Mais sinon après les gars hein, c'est du détail, c'est choix, on les a gratuits du opaque. Donc pourquoi pas juste avoir du Fut Birthday, avoir du lourd, parce que j'en ai toujours pas encore eu dedans. Donc en attendant ouais, on récupère les notes. On récupère les notes. Pour l'instant ces choix ne sont pas... Oh la dinguerie gros. J'étais en train de dire pour l'instant ces choix ils sont claqués. Voilà, ouais, ils sont nuls à chier. Oh là là. La dinguerie. Bah je sais pas si je vais le jouer, je sais pas combien il coûte, mais je m'attendais pas à ça. Frérot, c'est quoi ce truc de fou là? Oh la dinguerie! Oh là 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 là! Eh, j'étais pas prêt les gars! Alors attendez, c'est le meilleur TOTW! Moi dans mes TOTW, je m'étais dit, vas-y, moi je veux juste Fèvre, il vaut 277 000, c'est cool, c'est De Bruyne 93 frérot! C'est De Bruyne 93! Oh, c'est hallucinant! Hallucinant frérot! Oh là là! Et là, Vardy 86, mais là, vous allez voir, on va encore chatter dans le dernier! Oh, incroyable les gars ces choix là! Oh là là frérot, je suis choqué. Et Werner 86. Oh la dinguerie. La dinguerie, c'est chaud joueur.
En plus, Zernir, il a un style là. En AG. Jouable, hein, les gars. Oh, on a fait une PL. Werner, Vardy, De Bruyne. Ça y est, on a une attaque. Oh, la dinguerie, frère. C'est quoi ces choix de fou malade? C'est quoi ces choix de fou malade, frère? Oh là 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 là. La vidéo, elle est magnifique. La vidéo, elle est magnifique, frérot. C'est magique.